vais vers les autres, je sors de chez moi. Dès que je suis hors de cette maison, déjà, ça va mieux. Moi, je reste tout le temps possible, hein, pour être avec les autres. Mais c'est pour rencontrer du monde, moi, parce que moi, la solitude, j'ai ça tout le temps. Tout le temps. C'est une initiative de la Pastorat de la Santé. Nous sommes partis du constat que beaucoup de personnes souffrent de solitude et qu'il manque un lieu d'accueil pour ces personnes. Donc à toute personne qui souhaite rencontrer d'autres personnes, qui se sent isolée, qui désire passer un moment agréable, prendre un café avec nous, discuter. J'ai entendu parler sur Orléans de personnes qui passent leur journée dans le tram seulement pour voir des têtes et voir du paysage. Donc c'est dire la solitude de ces personnes. On accueille entre 3 à 10 personnes, c'est variable. Mais notre difficulté, c'est justement de rejoindre les personnes qui pourraient être intéressées par ce lieu. Parce que ces personnes ne sont pas forcément celles qui vont lire la presse, qui est notre organe de communication. Voilà, donc c'est là qu'est la difficulté, donc c'est bien d'en parler autour de soi. Pouvoir, j'allais dire, donner du temps aux autres, c'est aussi important et intéressant pour l'autre d'être connu. Mais effectivement, l'important, ça amène quelque chose parce que ça permet de reconnaître l'autre comme il est, avec ce qu'il est, dans sa différence. Et à partir de là, eh ben, c'est ensemble qu'on peut faire quelque chose. C'est nécessaire, en étant catholique, de vouloir rejoindre des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres. Mais ça nourrit, nourrir la foi, nourrir l'humanité.